que tel, pour comprendre ce qu'est un salon et une présentation, de prendre un peu de hauteur. Vous voyez, de là où je suis, vous voyez à 360 degrés le stand Lancia. La conférence de presse a eu lieu maintenant il y a plus d'une heure et c'est toujours blindé de monde. Ça, c'est le signe que les gens sont intéressés, parce que parfois vous avez des présentations et puis dès que c'est fini, tout le monde s'en va. Alors vous me direz, oui, mais Lancia avait beaucoup de choses à présenter, c'est vrai. On va aller voir chaque voiture dans le détail. Flavia Concept. Concept parce qu'il n'a pas été encore décidé si cette voiture serait importée en France. Et deux versions, une berline, son regard à LED et un cabriolet. Beaucoup de photographes. Grand cabriolet, 4 places. Cuir biton, blanc noir. On trouve voilà, cette nouvelle petite horloge Lancia qui est la signature, un peu de lac de piano autour, triple compteur, volant Lancia, et puis voilà, les films qui ont été réalisés pour la nouvelle Epsilon, mode très glamour, très rital. Mais j'aime bien celle-là avec le type qui photographie avec un Polo avec la fille sur le capot. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Philippe Maury, monsieur Presse? Ils sont beaux, les films, là. On les voit. Ouais, il est génial, parce que c'est un truc qu'on voit pas toujours. Et le petit pique-nique un peu sexy, la femme qui boit sa coupe. Sexy, en effet. Voilà, voilà, on sait tous qu'on monte sur le capot des voitures. Avec des... Non, j'adore. Hein, avec les jambes. J'adore. Ouais. Regarde, allez, c'est ça qu'il faut montrer. Regarde le dîner sur le toit. Ouais. C'est beau, romantique. Ça, c'est bien. C'est pas sur le toit, en fait. C'est juste à côté, j'ai cru que... Ah. C'est ça être Epsilon en fait. Hein.